Memories destroy my mind Salut la bleusaille, dans cet épisode je vais vous parler d'un pilote de combat belge ayant accompli un coup d'éclat particulièrement cool pendant la seconde guerre mondiale. Jean de Célis Longchamp. Alors lui, c'est un ouf. Le baron Jean de Célis-Longchamp est un officier de cavalerie de l'armée belge. Il participe activement à la bataille de Belgique après l'invasion allemande le 10 mai 1940. Malheureusement, la Belgique n'étant pas en mesure de résister bien longtemps au blitzkrieg allemand, le 28 mai 1940, c'est la capitulation au terme de ce que l'on appelle la campagne des 18 jours. Comme beaucoup d'autres soldats belges, Jean de Célis-Longchamp est particulièrement contrarié par la reddition de son pays. Bordel de merde. Étant donné qu'il compte bien continuer à casser du chleu par tous les moyens, il commence un long périple. Il part en Angleterre avant de revenir en France pour rejoindre les soldats qui tentent de reconstituer une armée belge, mais coup du sort, c'est au tour de l'armée française de se faire vitrifier la rondelle par la Wehrmacht et sa guerre éclaire. En juin, c'est l'armistice franco-allemand et Jean est doublement dégoûté. Non, mais ils le font exprès pour me faire chier ou quoi? Il rejoint Marseille, puis Gibraltar et enfin le Maroc dans l'espoir de retourner en Angleterre. Pas de bol, il se fait dénoncer et arrêter par les autorités françaises qu'il emprisonne à Marseille avant de l'interner dans un camp près de Montpellier. Mais il en faut bien plus pour venir à bout de la volonté de ce belge bien vénère. Donc, il s'évade, part en Espagne et finit par retourner en Angleterre. Jean veut continuer à poutrer du boche en devenant pilote de chasse, mais il a 28 ans à ce moment, âge jugé trop avancé pour commencer dans cette spécialité. Qu'à cela tienne, Jano se rajeunit de quelques années en falsifiant sa date de naissance et le tour est joué. Il entre en école et décroche son brevet de pilote. Jean volera sur Hawker Typhoon, un chasseur bombardier particulièrement énervé. Doté de 4 canons de 20 mm et d'un moteur ultra puissant, le Typhoon surclasse tous les chasseurs allemands de son époque en basse altitude. Par contre, au-dessus de 3000 mètres, ses performances deviennent complètement à chier, ce qui fait que cet avion sera majoritairement utilisé pour l'attaque au sol et le soutien tactique. Dans cette optique, on l'équipera de 2 bombes de 450 kg ou 8 roquettes de 127 mm. À partir du 30 septembre 1941, Jean-Sélis Longchamp s'amuse donc à couler des bateaux allemands et à dévaster les réseaux ferroviaires français et belges. Commande de son Typhoon. Le 20 janvier 1943, Jean va mettre à exécution une petite vendetta privée qu'il a planifiée tout seul dans son coin. Au retour d'une mission de bombardement sur une gare de triage aux environs de Coutray, il renvoie son ailier au bercail avant de faire un petit détour par Bruxelles avant de rentrer à la base. Bon, Jackie, rentre sans moi, faut que j'aille passer le bonjour à de vieilles connaissances. Il survole la capitale au ras des bâtiments afin d'éviter les défenses anti-aériennes et se place dans l'alignement de l'avenue Émile de Meaux. Au bout de cette avenue se trouve le siège de la Gestapo, bâtiment où le papa de Jean a été torturé il y a quelques temps. Et Sajano, il a pas vraiment apprécié. Jean pointe ses quatre canons de 20 mm sur le rez-de-chaussée du bâtiment et au fur et à mesure qu'il avance dans l'avenue, il remonte le nez de son Typhoon en envoyant toute la purée. De ce fait, ses obus balayent progressivement tous les étages de l'immeuble les combles de la classe, Jean pulvérise également la batterie de DCA qu'il y avait sur le toit au passage. Hitler Nick Tamer une fois son forfait accompli, il rentre en Angleterre sain et sauf. Le mitraillage du QG de la Gestapo a été tellement précis qu'aucun autre bâtiment n'a subi le moindre dégât. Le bilan humain est de 5 morts et 4 blessés graves, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est surtout sur le plan psychologique que cette attaque a un fort impact. D'une part, il a totalement pourri la journée de la femme de ménage en la forçant à ramasser des morceaux de nazis un peu partout dans l'immeuble. Mais quel sale fils de pute Et d'autre part, les Allemands furent obligés de déménager le siège de la Gestapo pour éviter une autre attaque aérienne. De plus, parmi les victimes, il y avait Max Thomas, le le commandant adjoint de la Polizei, la police de sûreté allemande créée en 1936 par Heinrich Himmler. Pour couronner le tout, cet événement spectaculaire eut un retentissement énorme dans la Belgique occupée, et ça c'est aussi bénéfique pour le moral de la population locale que néfaste pour le mental des troupes d'occupation. Après son atterrissage en Angleterre, Jean se fait copieusement engueuler par l'état-major pour avoir effectué une mission de combat sans en avoir reçu l'ordre, et il est même rétrogradé dans les hiérarchies. Ceci dit, on lui décerne quand même la Distinguished Flying Cross pour récompenser ce fait d'armes remarquable que représente le mitraillage du QG de la Gestapo de Bruxelles. Ah ces Anglais ils sont vraiment trop cons. Il faut bien l'admettre, ce raid aérien est particulièrement cool, mais il y a quand même une ombre au tableau. Dans les victimes de cette attaque, il y avait un espion infiltré dans la Gestapo et sur son cadavre, les frites sont trouvé des documents concernant un réseau de résistance belge. Et les membres de ce réseau ont bien morflé par la suite. Bah oui, Jean de Cellis Longchamp, aussi héroïque soit-il, faut pas oublier que ça reste un Belge. Fallait bien qu'il fasse une connerie au passage. Hey, va Foutre, de le 16 août 1943, lors d'une mission de combat au-dessus de la Belgique, le Typhoon de Jean est touché par la DCA. Il parvient à rentrer en Angleterre, mais pendant la procédure d'atterrissage, l'avion se brise en deux et s'écrase au sol. Jean avait 31 ans. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à ce pilote dont le haut fait est tellement classe qu'on lui a érigé un monument en face du bâtiment qu'il a joyeusement sulfaté. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Jean Honche le Musclé, le youtubeur culturiste belge à l'humour grinçant, qui a prêté sa voix pour doubler Jean de Célis Longchamp. Je vous invite à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Sous le ciel clair et sous le ciel tragique, fusil au poing, nous défendrons le sol de la Belgique en défendant le dieu solaire donné nous défendons